bienvenue sur l'LP, j'espère que vous allez bien tranquillement. Il faudrait peut-être que je change un petit peu mon intro, moi, des fois. Tiens, je me dis ça, je dis rien, mais on a des problèmes, la 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 la. Bon, j'espère que vous allez bien par rapport à l'épisode dernier. J'ai un petit peu avancé le... Enfin, j'ai préparé l'épisode. Oh, pour une fois, il prépare l'épisode. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait dans le dernier épisode? Pfff, je m'en rappelle plus. Oh, Compressed Spider. Donc du coup on a ah oui j'ai posé ce qu'il faut, donc du coup j'ai posé mes petites sources d'eau. D'ailleurs pourquoi tu... Ah oui, il pompe seau par seau. Donc c'est tout à fait normal que ça aille jusque là. Donc j'ai mis de la IV Water tout au-dessus de partout, hein. Je trouve ça vraiment magnifique et c'est classe. Donc ça fait son petit job, ça en stocke énormément. On peut voir ici qu'on a du Deuterium, ça on y reviendra après, la IV Water elle est là. Du coup, le petit système de deutérium, il est fait, qui est transformé en liquide et puis stocké, parce que c'est très important de le stocker. Il faudrait que je décale les pancartes, moi, à force. Ça marche toujours aussi bien. J'ai mis des heaters, je les ai mis jusqu'à 314K de température, donc du coup, c'est largement ce qu'il faut. 314K, et sachant qu'il faut du 1,3K. Ah, ouais. Ah ouais quand même. Et du coup je les ai connectés en direct, hein, comme vous m'avez dit de le faire pour ceux qui sont là-bas. Mais du coup je les ai fait pour ici. J'ai foutu le panneau solaire là-haut directement, hein, ça vous connaissez les bails. Ça fait son taf. Du coup ici on a toujours notre petit truc. Et ici nous avons, je déconcentre en fait le liquide en gaz de thorium et de tritium, que je mélange le tout, et ça nous fait du DT Fuel, ce fameux DT Fuel qu'on va avoir besoin pour démarrer le réacteur. Du coup, le réacteur, il va se trouver là, donc là, tu vois, c'est un petit pattern que j'ai fait. Donc, niveau décoration, je suis pas très fan, perso. Je voudrais bien faire un truc en lévitation, quitte à qu'il soit accroché, par exemple, au milieu. Ouais, j'aurais dû le mettre au milieu, d'ailleurs. Sachant que c'est un 3x3, 5x5, j'aurais pu faire de là, et puis le foutre au milieu. Ouais, je vais le décaler le pepper, je vais le décaler par rapport à ici, que par rapport à la salle centrale. Et du coup, lui faire un petit truc pour qu'il soit maintenu. Ça peut être pas mal d'avoir un truc qui soit maintenu en fait. Ouais, parce que là en fait je le trouve un petit peu moche. Sans trop me vanter, hein. Je le trouve moche. Voilà. Puis du coup, lui, il revient là. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, je suis pas très fort non plus en déco. Hein. Ça, vous l'avez déjà remarqué. Et quand je me mets à la déco, c'est que soit je suis malade, lol, soit je sais pas quoi faire de mes journées. Donc du coup, je bosse comme je peux. Du coup, j'ai tout préparé pour que le réacteur soit en place. Sachant que je vais le déplacer, le petit pépère. Hop. On va le déplacer, on va le mettre bien au centre. Hop. Voilà. Ça, c'est au centre. On va bien le déplacer. Ah, puis en plus, j'avais déjà commencé à mettre le truc. Le truc central, plutôt. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, donc du coup, on va construire notre petit réacteur. Donc ça, c'est le réacteur contrôleur, c'est le truc central. Le fameux démarreur du réacteur, hein, qui, en fait, te permet de faire une réaction. Donc du coup, derrière, va forcément te produire une source d'énergie à fond. On va pouvoir se faire les réacteur frame, tout ça, tout ça, tout ça, et voilà. Les quantum entre machin, là en fait c'est un système qui te permet d'envoyer de l'énergie, d'envoyer tout un tas de trucs en même temps sur un seul cube. En fait c'est un genre de Tesseract version mechanism qui t'envoie en fait le gaz, qui t'envoie le liquide, l'énergie, les items, les fluides, c'est le liquide en fait. Donc, il t'envoie tout, ce truc, il t'envoie tout. Au niveau du réacteur, du coup, on va foutre peut-être une cobble de plus. Ah non, c'est impair. Je voudrais bien le laisser
Quitte à le mettre 2 cubes plus haut, ça pourrait être pas mal. Ouais, 2 cubes de plus haut, c'est quand même bien. Tac, je prends le coffre tranquillement. Ensuite, alors du coup, la base est constituée de reactor frame. Voilà, j'adore le bruit, il n'y en a même pas. Tac, ici, ici, ici. Ça, c'est la base globale du réacteur. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, ce que je vais faire sur les côtés, je sais pas si je peux le mettre en réacteur glace. Comme ça. Je crois. Ouais, sur le côté, je suis obligé de faire ça. C'est la partie au-dessus que je vais pouvoir mettre la glace. Hop. Voilà. La partie au-dessus, c'est un rond entier. Donc, la glace, je vais pouvoir la mettre là. Pourtant, j'étais sûr que puisse faire un gros truc. Ouais, je crois qu'en fait, le réacteur, il est beaucoup plus gros que ça. C'est par rapport à ce que j'ai. Ouais, attends, le réacteur, il y a pas plus gros. Parce que, je sais pas, par rapport à FTP. Je me rappelle que le réacteur il faisait quand même une taille beaucoup plus grande, hein, surtout centrale quoi. Attendez, je vais voir ça. Réacteur mécanisme sur le wiki officiel. Parce que le réacteur là pourtant me dit qu'il y a beaucoup plus gros. Ah d'accord, c'est lui aussi qui développe. Ah non, j'allais dire. Fusion réacteur. La base c'est ça. Ah bah pourtant c'est bien ce que j'avais. C'est bien ce que j'avais fait. Ah, bizarre, je le pensais beaucoup plus gros que ça, le réacteur. Non, mais vraiment, je le pensais énormément plus gros. Façon, j'ai fait les crafts en auto, donc du coup. Je sais que le laser, je vais le foutre, par exemple là. Ça, c'est le laser. Obligatoire. Je sais qu'il y a des trucs comme ça sur les contours. À moins que le laser soit juste. Ah, que. Peut-être la base là est comptée comme un bloc. Je sais pas, attendez, je vais. Je sais qu'il y a les deux parties. Il y a une partie là. Le réacteur, je sais qu'il est au-dessus. Attendez, comment on peut faire réacteur? De toute façon, au pire, je peux en refaire un autre. Hein. Frame. C'est pas pour le prix que ça coûte que ça va me changer les trucs. Hein. En même temps, je voudrais bien du verre. Voilà. Parce que, en fait, j'avais dans la tête un réacteur beaucoup plus gros que par rapport à celui que j'ai actuellement. Laser ici. Vois que les côtés peuvent être corrects, peuvent être grands, à moins que. Faudrait que je re-regarde mes vidéos de FTP. À moins que, en fait, il y a juste ça que je puisse mettre au complet. Mais ça serait con, quoi, parce que.
C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. J'ai vraiment un doute sur la façon que ça soit composé. On va faire ce qu'il faut. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est fait. Ensuite, tac. Attends. Alors, voilà. Lui doit être là. J'ai là-bas, j'ai le truc là. Donc oui, c'est bien ça. Je m'étais trompé d'un petit étage. Voilà. En fait, j'avais fait le truc en semi-direct, en fait. Tac, tac. Là va être ah, la musique qui s'est enclenchée. Voilà, le port. Ce port-là, en fait, va être l'accès, l'accès ce qu'il faut, le laser qui se trouve là. On a un accès ici. L'accès au contrôleur là-haut. Donc du coup, je vais faire un accès direct comme ça. Normalement, c'est bon. Hop, hop. Et du coup, le... Ah bah, il est formé. Donc c'est bon. Ah, je le pensais beaucoup plus gros, la vitre. Est-ce que je peux faire une vitre beaucoup plus grosse? Ah, il est incomplet. Donc ouais, donc du coup en fait la vitre on peut seulement l'avoir de 3 par 1. Ok. Bah j'avais dans la tête d'avoir une grande fenêtre de réacteur. Celui-là il est formé du coup. Ok. Alors je ne sais plus le ratio qu'est-ce qu'il faut mettre au début. Je ne sais vraiment plus. R, te produit du... Stat. Ouais, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il fallait en fait. C'est des mini-paquets de particules de toute façon. Donc, on a les réacteurs ici, ici. Tiens, ça y est, j'ai le NAS qui est en train de s'affoler. Hop. Donc oui, les réacteurs de là, j'en ai fait un peu trop. Oui. Alors lui, donc du coup... J'espère que vous l'entendez pas trop le NAS sur le côté, à mon côté. Parce qu'il fait un boucan d'enfer, faudrait que je le déplace de chambre. De place plutôt. Donc ça c'est le réacteur, ok. Donc il est plutôt pas mal comme ça. Ça, c'est le laser pour envoyer le faisceau et du coup injecter une puissance phénoménale. Donc ça, on a le réacteur. Ok. Ouais, peut-être le laisser dessus. Tin, 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 tin. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ce truc? Config. Site config. On va le laisser en done partout. Auto-éjecte en fluide non partout. Auto-éjecte gaz en auto-éjecte énergie.
auto-éjecte et la chaleur. Quand t'es jet, forcément l'énergie tu peux pas l'éjecter. Donc du coup, pourquoi il y a un truc là? Donc tu vois, en fait, il y a toutes les interfaces possibles et inimaginables. Ok. J'ai pas compris pourquoi, mais... Il doit y avoir un petit truc ici, alors. Du coup, un réacteur. Réacteur. Ok. Donc lui, il est sélectionné sur réacteur. Ok. Faut que d'un côté tu... item, non. C'est un gaz. Putain, je m'en rappelle plus comment faire un réacteur complet, moi. Tuc, tuc. Tuc, tuc, tuc. Comment on fait déjà le réacteur en parfaite harmonie? J'aime bien ces ressources pack des fois, les gens. Tac, tac, tac. Alors ça. Ah. Par rapport ici en fait, moi par rapport à la glace que j'avais en fait c'est ça, c'était les trucs sur les côtés qui étaient en mode croix. En fait c'était ça que j'avais moi sur, sur FTP en fait. Pourquoi tu veux pas? Ah, waiting for the server. Ah, j'ai un petit problème. Je crois qu'il aime pas transformation. Donc du coup, je reviens. Ah bah, ah bah non en fait. Je reviens pas. Si je reviens. Ah, il y a un petit problème. Bon bah, je reviens vraiment en fait. Re, du coup, c'est bon, j'ai trouvé comment fonctionner en même temps qu'il y avait un petit problème de réseau. Donc, on peut les faire en fait de tous les côtés. Il faut bien injecter du tritium et du déthérium. Pourquoi? Mais pourquoi ça merde aujourd'hui? Forcément, il faut que je recorde, il faut que ça merde. Ah oh, putain, ça me casse les burnes, ça. En fait, ah bah oui, non, je suis con. Non mais en fait, je clique ici, mais... pas hier moi c'est ici. Alors du coup c'est lui que je dois donc bien configurer pour que lui dise de sortir ce qu'il faut. Donc fluide gaz ici output forcément. Il faut bien lui spécifier par contre le dark green aqua purple indigo. Ouais, en fait, il fait tous les strict input, strict output. Ouais, il faut bien gérer en fait son système de. Voilà. Voilà son petit système adéquat. Donc rouge rouge sur le côté. Donc ça veut dire que quand je vais prendre du pressurized, pressurized, je vais prendre des élites. Pourquoi ça veut pas? Non, me dis pas que tu veux pas des pressurized. Attends, c'est du liquide qu'il faut mettre. Pressurized. Pourquoi?
Ça te confie le gaz. Attends, c'est bien des pressurisés que j'ai pris. Pressurisés. Gaz de méca. Bah oui, c'est ça. Side. Gaz. Ok, il veut pas. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Ah, tu veux être emmerdant, toi. Ouais, tu veux vraiment pas ton. Ouais, on est d'accord que c'est du pressurisé qui va dedans. Ça. Item, fluide, gaz. Pouf. Non, l'inverse. J'insère. J'insère tout ce qu'il faut. Pourquoi? Là, tu vas pas me les casser longtemps, par contre. Pourquoi un mode qui est méca, qui est normalement fonctionne avec méca, ne veut pas faire fonctionner ces putains de câbles? Non mais, hein, bon. Gaz. Ah. Output. Ok. Bon bah c'est déjà bien. Gaz. Sortir. Sortir. Donc output. Output. Ok. En plus je peux même le configurer comme ça en fait. C'est plus simple avec la wrench que de me casser la tête à ça. Cependant, je voudrais bien lui dire que toi tu vas par exemple ici et que toi tu vas par exemple ici. Que ça soit le rouge ou l'autre. Je sais pas si c'est possible par contre. Du fait que c'est un gaz. Deutérium. Deutérium. Je peux pas le... Ouais, je peux le mettre mais seulement sous forme de machin. Je peux pas lui mettre une restriction. Non, je peux pas lui mettre la restriction comme quoi je veux seulement ce gaz-là. Parce qu'en fait, il y a le dé... C'est du liquide ou du gaz que je dois mettre là-dedans? Je ne sais jamais. Mechanical. On va prendre du ultimate. Ouais, dans les deux cas, en fait, ça fonctionne. Dans les deux cas, ça fonctionne. Je sais plus si c'est du liquide ou machin. Ah, mais merde, c'est quoi qu'on doit mettre dedans? C'est du liquide? Hop, désolé pour le son. En fait, je regarde juste s'il faut mettre du liquide. Alors, d'accord. Alors, lui, dans la vidéo qui est en train de se faire, lui, il l'envoie en version water. Mais moi, je m'en tape de ta version water. En fait, ils injectent tous du deutérium directement. Mais moi, je veux pas le deutérium, je veux envoyer du tritium et du machin. En plus, la vidéo, elle date de 2015, quoi. Mais lol. Bon, je reviens, je vais trouver ça. Ok, du coup, j'ai regardé une vidéo et en fait, il sépare les channels, lui. En fait, tu envoies. Comment? Tu lui envoies le. Comment? Par exemple, le DT Fuel. Tu l'envoies en pressurized. Ce mécanique, ça marche pas. Tu envoies comme ça. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais l'envoyer en mode YOLO. Voilà. Là, il est en mode gaz.
sortie. Voilà. Par exemple, je vais lui dire qu'ici, c'est le deutérium. Voilà, deutérium. Voilà, il est connecté. Parfait. Comme c'est un size de config autoject, donc ça c'est parfait. Je vais lui dire dans... Merde. D'envoyer en force là-dedans. Pareil pour lui, mais cette fois-ci pour lui. Faudrait que j'en refasse un autre du coup. Hop, on sort. On lui dit que c'est du tritium que tu lui mets dedans. Cette fois-ci. Ant size, tac 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 tac. Je remets tout en mode YOLO. Hein. En auto-eject. Voilà. Donc lui, par exemple, il est mis sur Deuterium, mis sur le Tritium. Il va falloir que j'en refasse deux autres. Je lui injecte en auto. Lui faudrait aussi du... Qu'est-ce qu'il lui faudrait également? Oh, il aurait fallu limite que je le fasse en dessous en fait. Que je lui dise que lui c'est égal à ça. Que je fasse sortir l'énergie d'un côté. Je lui fasse re-rentrer du DT Fuel de l'autre côté. Ouais, on va peut-être faire ça. Un épisode un petit peu galère aujourd'hui. Mais... J'ai jamais l'habitude de construire un réacteur méca, donc c'est un petit peu normal que je galère. Salut. D'ailleurs, je sais pas si on peut les connecter sur les côtés. Port. Voilà. Paf, tac, tac. Normalement, si, sachant que c'est considéré comme un bloc. Tout à fait normal. Là, non, tu le veux pas. Non, il faut que ça soit à l'intérieur obligatoire. Hein. Faut que ça soit en fait sur les. Que ça soit considéré à l'intérieur. Donc du coup, ça voudrait dire comme ceci. Voilà. Lui, en fait, il me dit qu'il est formé maintenant. Bon, bah c'est pas plus mal, tu vois. C'est quand même plutôt bien. Alors, pressurisé du coup. Je me mets en mode gaz. Je lui dis d'insérer. D'insérer. Alors, on n'est pas obligé de faire en mode comme ça, en fait. Hein. On n'est pas obligé du tout. Le deutérium aussi, je vais le mettre en mode gaz. Voilà, le DT Fuel plutôt. Et lui, c'est ça qui va être cool. Merde, énergie. Voilà, mode output. Voilà, je vais le remettre en mode gaz. Lui, comme ça va être le câble d'énergie. Alors, par contre, j'ai un petit truc. Normalement, j'ai un mini câble qui est en infinite. Ouais. Ah, il est plus. Ah merde, le craft, il l'a changé. Il y est plus. C'est quand même 320 000 RF particules. Il n'y a pas plus grand que 300 000. 128 000. Ouais. Il n'y a pas plus gros que. Non, non parce que bon, c'est pas que, mais en fait c'est pas énorme, sachant que lui il en sort 400 millions. Parce que au pire, ce que je fais, je tire un gros câble en mode YOLO. Ouais, mais en fait ça marcherait même pas non plus, ce que je veux faire. Si, il faudrait que je le passe par lui en fait, parce que lui en fait c'est du quasiment illimité. Si tu le setup en illimité, il te fera de l'illimité. Oh, créative. Tac, tac, tac. Ouais, je pense que je vais passer. Ah, peut-être par eux. Draco, il n'y a pas un bloc énergie pilon.
Je crois qu'énergie pylon, il t'envoie la sauce comme il faut. Il n'y a pas besoin de, on va dire, de semi-câble comme il faut. Et sinon, lui, alors lui, je ne sais plus combien il sort. Peut-être qu'il sort un paquet. Ouais, je ne sais plus. Bon, enfin bref. Il y en a un qui est Deuterium, il y en a un qui est le Stricium. Démerdez-vous. En gaz. Ah. Stricium. Deuterium. Voilà. Ça, c'est bon. Lui, ça sera le DT Fuel. Donc, il va falloir que je refasse des quantum. Quantum en trop, en taux, en temps. Ah, il faut entendre, lol. Va falloir faire ça. Donc du coup, lui c'est bon, lui c'est bon. Lui j'ai un jack, donc il m'en faut un autre plus 3. Et après le cap d'énergie aux F. Hein. On fera ça plus tard. Et en fait, dans l'épisode, j'en suis à combien de minutes, moi, à force, parce que... J'ai pas envie de vous faire un épisode de 55 milliards de minutes. Pressurized. Bon, je vais faire tous les crafts nécessaires et du coup je vous retrouve juste après. Bon, du coup, j'ai fait ce qu'il faut. Donc ce que je vais faire, je vais m'empresser de tout faire en dessous. Comme ça, j'ai un accès, on va dire, direct. Ah, je suis juste à faire ça parce que je trouve ça sinon moche. Lui, il est en mode wrench, on va le foutre en mode gaz. On va l'exporter comme ça. Pouf, 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 voilà. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça c'est magnifique. Élite pressurisée, on s'en fout. Ça, on va refaire toutes les configs de base. Je sais pas s'il y a un mode qui permet de faire en fait une copie simple et dure d'une config à un autre. Comme ça me permettrait d'être tranquille au niveau de... Hop, j'oublie un truc, l'énergie. Et lui, tac 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 tac, pouf. De toute façon, j'ai pas fini hein, parce qu'après il va falloir mettre les lasers, va falloir tout mettre, donc du coup ça va être un petit peu problématique. Gaz entrant, gaz entrant, gaz entrant. C'est ça qui est bien avec la wrench, c'est que tu peux faire tout directement. Lui, c'est le tritium. Hop, et là-bas on voit du bleu. Ici, c'est du deutérium. Pouf, on envoie. Et ici, on va faire un autre setup qui est le DT Fuel. DT Fuel envoyé. Normalement, c'est bon. Ouais, forcément, là-bas, j'ai pas mis le système. Voilà, et DT Fuel. Oh, il y a des belles choses qui apparaissent. Donc, stats, deutérium, DT fuel, tritium. Alors, normalement, ça doit fonctionner comme ça. Hein. J'espère en tout cas que je me suis pas trompé quelque part. Normalement, non. Puisque j'ai vu en fait injecter du DT fuel et aussi injecter du tritium et du deutérium. Injection rate, je l'ai mis à 10 parce que ça sert trop à rien de le mettre au-dessus pour l'instant. On peut mettre de la water pour faire de la vapeur, comme on peut faire en fait de l'énergie en même temps. Donc ça c'est cool, on peut lui injecter tout ce qu'on veut. Ceci étant dit, maintenant que ça c'est bon, ça c'est bon. Là, ça serait un système de câble énergie. Sauf que je ne sais pas comment faire. Très clairement, je ne sais pas comment faire. Hop. Voilà, c'est juste en fait pour trouver les trucs au centre.
Tac, tac, tac. Du coup, ultimate. On va foutre des ultimate cable. Voilà. Normalement, l'éjection ici doit être de 256 000 RF. Kilo RF. Non, 256 000 RF, ouais, par tick. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. Le cube en ultimate, lui, je m'en rappelle jamais si c'est du full ou pas du tout. Hop, il vient de me recharger le truc instant. Il sort du 20 000. Il sort que du 20 000 le pépère. Donc, du coup, largement ce qu'il faut. Au niveau de la suspension, du coloris, ce genre de choses, on verra ça plus tard. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est des lasers. Laser amplifier, l'action. Oh, il faut des lasers comme ça, des lasers amplifier qui est en basique, ok. Et un laser tractor. Ah, si tu le dis. Oh, c'est beau ça. Genre, il faut du chorus. Ok, donc il faut des lasers. Il faut des lasers, des lasers, des lasers. Ok. Parfait. Surtout que le laser, en fait, le système de laser doit être là. Oups, pardon. Le petit hoquet des familles. Sinon, ici, c'est plutôt sympa, hein. Ça fait un beau petit réseau. Alors, l'épisode, s'il dure plus d'une heure, c'est pas très grave. Au moins, vous aurez un grand épisode. Et pourrez le lire en plusieurs fois, si vous voulez. Comme ça, c'est tout bénef pour vous. Pattern. 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 Nye. Mais donne-moi mon truc. Donc j'enlève les systèmes de backup. À mon avis, c'est ça qui fait ramer le disque. Parce que c'est un SATA que j'ai mis. Pattern! Putain, il me casse les burnes. Disque. Attends, j'ai pas de l'activité du disque. Allez, pattern. Ah bah voilà, fallait juste faire ce qu'il faut. Je suis con moi. Mais je suis con, je suis con, je suis con. Hop. C'est bon, il l'a fait. What? Il a fait les 20? Comment il peut faire les 20? Bon, c'est pas grave. Laser, tablette, casing. On va faire un 10 d'avance. Tablette 10 d'avance également. Hop, vas-y, à boule. Casing. Voilà. Ça me fait un laser. Ensuite, il me faut un basique du style et du diamant. Pas le basique là, parce que sinon il va pas me le compter. Basique. Voilà, du style. Voilà. Et laser là, il faut un personnalized safe, il faut du style, il faut des chaises, des basiques. Ah bah c'est parfait. Nya. Pourquoi j'ai... Ah oui. Circuit, j'ai ce qu'il faut. Chest, j'ai pas ce qu'il faut. Pourquoi il a réussi quand même à faire les deux? Ouais, bizarre. Et il me faut ça. Voilà. Ok. Ensuite, on descend. Il va vraiment falloir que je remette des interfaces, moi. Parce que, en fait, ce qui me reste, c'est cette place.
7, le chiffre 7, pas 7, celle-là. 7 places. Ouais, et d'ailleurs, il faudrait que j'augmente le système ici. Que je lui dise que ça fasse ça, que ça fasse ça. Tiens, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite tant que j'y pense. Hop, alors il m'en faut. Il m'en faut encore un. Voilà. C'est vrai qu'après j'aurais pu utiliser en fait le bon vieux système du coffre. Mais autant que je le fasse comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Ça évite en fait de tout péter. En fait comme maintenant l'énergie quasiment illimitée, hein. On peut lui dire que tout fait tout. Voilà, comme ça je suis un peu tranquille. Les lasers, là, il me faut des cubes, il me faut ça. On va passer ici. Allô, oui, bonjour. D'accord, en fait, il détecte pas comme quoi je l'ai. Alors, quand même, le tir à vecteur, il commence à être plutôt joli, hein. Je suis quand même plutôt content. Cobble. Qu'est-ce qu'il me faut comme laser? Laser, réacteur. Laser. Ah. Ah, c'est vrai que les lasers aussi peuvent servir comme défense. En fait, si les entités passent à l'intérieur, ils se font démolir la tronche. Laser amplifieur, c'est ça. Laser amplifieur. Ouais, je sais. Laser amplifieur. Tac, ok. Alors, c'est bien ce que je pensais. Au niveau des lasers, en fait, il y en a un, qui est lui. Qui permet de... Si tout va... Laser tractor. Non, c'est pas un laser tractor. Laser amplifieur. Permet d'amplifier tout le signal. Donc lui, par exemple, si j'en ai 10, je peux faire... même plus 1, d'ailleurs. Je peux faire 40 lasers normales. Ces lasers-là, il va falloir les charger. Lui, il faudra du coup un levier. Pour bloquer le signal d'envoi. Parce que dès qu'on fait le signal d'envoi, en fait, lui, il va se mettre à détonner à l'intérieur et du coup faire en sorte qu'il soit en réaction. Et ensuite, bah, il suffit d'avoir le petit système comme il faut pour qu'il se laisse gérer tout seul. Donc, on a les... Oh putain, en plus, ça stocke pas. Heureusement que ça se vide pas le... ça vide pas mon truc parce que sinon, je suis dans la merde. Laser. Ah oui, ça se crafte vraiment. Ah oui, c'est vraiment long en fait. Alors ça, c'est très rapide. Merci Torchirino et le boost. Quand même, ça sert bien. En fait, je viens de remarquer que ça fait déjà plus d'1 heure que je recorde, je crois. Lol. Donc ouais, c'est plutôt cool en fait. Ok, donc ça c'est bon, c'est un bon point. Tu. Donc ça, laser. Oh putain, en plus ça stack pas. Oh. Ah, c'est pas, ah, c'est pas chiant du tout le truc. 3, 4, 5. Je suis mis en mode wrench, hein, ouais. Donc ça veut dire qu'en fait là tu vois où qu'il y a le point c'est le truc principal. Donc height, si tu envoies du height dessus, normalement il s'active. Si tu envoies pas du height, il ne s'active pas. No delay peut contenir jusqu'à redstone output.
Entity Detector, Energy Component. Ok. Alors, lui, c'est bon. Maintenant, je vais en mettre un là. Je vais en mettre un autre là. Un autre là. Je sais pas si j'en ai fait trop ou pas. Hey, salut! D'accord, j'ai un petit rollback, j'ai pas compris pourquoi. Alors, du coup, au niveau des lasers, on va les poser. Eh ben, heureusement que le truc est pas plus gros, hein, parce que sinon, merde. Alors, ça, c'est un peu con. Il faudrait que je remplace la terre pour la mettre en truc plus beau. Ok, donc bah tous les trucs ont l'air d'être dans la bonne position, mais c'est parfait. Je vais devoir faire ce qu'il faut ici. Ça y est, j'ai le réacteur qui se met en route. Pas celui MC. Hein. Quand je parle du réacteur, c'est venir mon S en fait. Il est en train d'être en mode turbo sur le ventilo. C'est du fait que mon As maintenant, j'ai bien paramétré avec l'admin en chef de Fanta. Oui, le Fanta que vous connaissez qu'avec Bob. Bah maintenant, en fait, mon As me sert à stocker toutes mes sauvegardes de tous les serveurs que je avoir. Donc si j'ai un problème sur une backup, en fait, je sais où est-ce que je peux les récupérer. Et en fait, le ventilo, il s'active que quand il y a une sauvegarde en cours. Ah! Il m'a flippé le truc. Alors, je sais que ça va faire un bruit immense, ce truc, par contre. Ah oui, très bien, il m'attaque la vie lui, hein, en mode rien à foutre. Il faudrait que je fasse attention parce que s'il y a le laser vraiment dessus, que je me fasse pas trucider. Hop, laser. En fait, j'ai prévu gros, hein, moi, pour les lasers. Et je mettrai un système de laser vraiment tip-top qui se mettra tout autour de la base. Comme ça, s'il y a un mob qui passe, bah, il se fait dégommer la gueule. Moi j'ai compté comme un pied qu'il en manque. C'est possible. Ah il en manque. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. En fait il me manque 10 lasers. J'avais complètement zappé de les mettre. Bon ça va plutôt vite en fait. Dire que j'ai commencé avec Mechanism juste pour avoir mes minerais. On va dire semi-auto, ce genre de choses. J'espère que vous aimez les petites musiques en arrière-plan. Quand MC se met en route. Hein. Merci Mitsubishi pour le. Ah ben non, ils sont fuis. Ah le boulet. Ah le boulet. Bon bah c'est pas grave. Bon, moi je l'aurais fait. Du du. Du 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 du. Je ne sais plus c'est quoi la musique là. Voilà. Donc à noter aussi que les lasers une fois chargés, si vous passez dedans vous prenez déjà les dégâts. Mais en plus ça peut niquer vos blocs. Donc à bien les orienter avant
de s'amuser à faire le malin avec le recteur. Voilà. Alors, la mode Wrench. Très bien. Ah. Celle-là, tu vois, je m'y attendais pas du tout. Faut poser les lasers sur les blocs pour que ça passe. Et pas du tout chiant. Pas du tout. En fait, tous les lasers que j'ai posés, il va falloir que je les pète et que je les remette. C'est pas du tout chiant comme système. J'aurais dû faire ça en avant. Et je pourrais limite mettre un autre laser ici, tiens. Pour vraiment faire le côté symétrique à fond. Bon, bah du coup, je vais devoir tout péter. Du coup, je vous retrouve une fois que j'ai fait ça, hein, parce que sinon, ça va être très très long. Surtout que, voilà, je peux pas les... Ah, peut-être en mode rotate. Ah non, je peux pas. Ok, bon bah tout de suite. Voilà, bon. Alors du coup, j'ai tout refait. Tout tranquillement. Je suis en train de ramasser les cubes. Voilà. Bon bah ça donne quand même un petit truc plutôt sympa. Est-ce qu'il a chargé un petit peu? Ah, il y a quand même 240 000 RF qui est chargé en fait dans le truc. Voilà, il vient en fait de tout vider d'un coup dans le réseau. Alors, du coup, maintenant que ceci est en fait, on va passer aux ultimates. Alors là, il va m'en falloir une chie. Je vais en commander une centaine. Ça sent bon, tiens, ici. Ça sent un genre de pâte avec des... Ouais, je vais vous donner faim à force. En fait, ça sent super bon. Alors que je récorde, il est 17h15. Le même jour que j'ai sorti l'autre épisode avant. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà. Puis on va faire un petit design plutôt sympa. Au niveau de ce truc. Voilà. Oh, je savais pas que j'y m'en restait un bloc de cobble. Ah bah oui, il y en a pas qu'un d'ailleurs. Nya. Je vais pas les perdre ces trucs là parce que ça vaut quand même assez cher. Voilà. L'avantage quand c'est en dessous en fait, j'aurais pu faire ça sur le côté en fait, c'est que tu peux mettre à la mode rapide. Voilà. Bon bah ça va faire plutôt un gros truc, hein. On fera un petit truc plutôt sympatoche. Peut-être un jour en live, histoire de décorer un petit peu la salle ici. Voilà, la salle, le monde. Histoire de décorer le tout. Faudrait que je mette un Glock QBC. Il n'y a pas une genre d'énergie. Il faudrait l'énergie seule d'Underio. La vibrante. Mais la vibrante, j'ai pas tout ce, j'ai pas ce qu'il faut comme pour charger le truc. Flux receiver. Peut-être celui-ci, tiens.
En fait, lui, il a un channel. Alors, je disais, il a un channel qui bouffe énormément. Donc ça fait du bruit. Ça fait mal, hein. Oh la vache. Music sound. Putain, même ça fait déjà du bruit extrême. 4000 RF qui contiennent les trucs. Oh. Donc du coup, bah là, c'est en train de charger, hein. Il faut que ça soit 1 giga RF ou je crois 2, je ne sais plus. Je crois que c'est 2 gigas en fait qui soit plein, quoi. Que le truc soit plein et que en fait on ait le petit truc à l'intérieur pour envoyer la réaction de ce truc là. Ça va nous permettre en fait de démarrer le réacteur et ensuite de genre il est ah oui de RF. Oui, je vais me dire quoi déjà plasma. Water steam, ouais. En fait, si on envoie de l'eau, il peut produire de l'énergie et en même temps du steam. Le steam, ça peut être pas mal, hein, histoire de le charger quelque part. Ouais, ça produit plutôt bien, hein. Bon, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Du coup, dans l'épisode prochain, parce que ça va durer quand même assez longtemps, on commencera la réaction en chaîne de ce truc-là. Salut toi, tu viens d'où? Eh dis-moi, tu viens d'où? D'où est-ce que tu viens? Ah, tu peux popper sur les lasers. Ah oui, tu viens aussi de là. Ouais. Je me disais aussi que c'était pas normal. Tiens. Ah bah maintenant essaye de popper toi. Voilà. C'est normal de mettre une torche sur un laser, c'est tout à fait logique. Et toi? D'accord. Bon bah allez sur ce, bisous tout le monde, c'était P. On se retrouve la fois prochaine pour envoyer tout le réseau des familles. Sur ce, bisous tout le monde, c'était P. À la prochaine, ciao ciao.